Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous. Cette taxe sur les comptes-titres est mal fichue. Contrairement à vous, j'en partage l'objectif, c'est-à-dire de faire contribuer davantage les détenteurs des capitaux, les rentiers, ceux qui disposent de comptes-titres. C'est important dans l'équilibre budgétaire et la justice fiscale. Si vous n'étiez pas d'accord, monsieur le ministre, pourquoi avoir accepté cette taxe sur les comptes-titres au mois de juillet pour la critiquer aujourd'hui? Je suppose que quand vous donnez un accord, c'est en connaissance de cause. Et surtout, le budget du gouvernement fédéral, ce sera comme le carrosse de Cendrillon qui, à minuit, se transforme en citrouille. Monsieur le ministre des Finances, c'est décidément trop facile de dire oui à l'intérieur, puis de critiquer à l'extérieur et de saboter les décisions que vous avez acceptées. C'est décidément trop facile de toujours trouver des excuses pour ne pas avancer vers davantage de justice fiscale. Merci, monsieur Gilles.